quand on veut passer sous Linux, on se pose légitimement deux questions. La première, c'est est-ce que je vais pouvoir garder les applications que j'utilisais sous Windows et continuer de les utiliser sous Linux? La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que je vais pouvoir jouer sous Linux? Est-ce que le jeu que j'adore sous Windows, eh ben, je vais pouvoir continuer d'y jouer sous Linux? Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Pour faire cette vidéo sur les jeux, je vais utiliser cette tour Corsair équipée d'une GTX 1660 SSD M2, Intel i7, 16 Go de RAM. Donc je vais utiliser aussi ces deux manettes. Donc vous avez ici une vieille manette arcade en USB et vous avez ici une manette Xbox 360 en USB. Les pilotes sont installés dans le noyau et souvent mis à jour. Donc on branche et en général ça fonctionne. Alors, le premier jeu que je vais vous montrer, c'est un petit jeu tout simple sous Linux, Eltris, Linux Tetris. Donc voilà, je peux y jouer au clavier, tout simplement, en plein écran. Il y a des jeux un petit peu plus intéressants, comme par exemple Fou Billard, qui est un jeu open source en 3D. Et il existe sous Windows, sous macOS. Donc ça, c'est un petit jeu 3D tout simple. Pour le trouver, on passe par PAMAC et il suffit de taper billard par exemple. Je l'ai installé simplement à partir de ce système. Et pour Tetris, c'est pareil. Ben, tu as le fameux Eltris qui doit traîner par ici. Le voilà. Mais vous voyez que il suffit de chercher avec cette interface et de les installer très simplement. Et donc ça va être des jeux ou des portages qui sont faits directement sous Linux. Ce sont des jeux gratuits et souvent on peut les retrouver ailleurs. Donc maintenant je vais vous montrer une autre possibilité, c'est celle d'installer des jeux Windows. Alors par exemple sous Windows, il y a un petit jeu qui s'appelle Warblade. Et vous voyez qu'il est signé par Edgar M. Wigdahl. Et ben, ce genre de jeu, vous pouvez les installer directement. Hop, c'est parti. Donc ici, c'est Wine qui va installer le jeu. C'est une réécriture des bibliothèques Windows. Alors attention, ce n'est pas de l'émulation. Ça veut dire que ma carte graphique va être utilisée directement. Et l'interaction entre le système et les applications va être directe. On n'est pas dans un bac à sable comme dans un émulateur. Donc ce n'est pas de l'émulation, j'insiste bien là-dessus. Donc ici, j'installe par exemple Warblade. Le voilà. Je vais vous montrer d'autres jeux. Donc par exemple ici vous avez SimCity 4. Je me l'étais installé sous Windows et j'ai gardé cette installation. Et quand je suis passé sous Linux, j'ai vu simplement qu'en lançant l'exécutable, j'ai même pas fait d'installation, et ben il fonctionne parfaitement. Donc ça c'est des dossiers de jeux que j'avais installés sur un disque dur sous Windows. Je les avais gardés puisque c'est un disque externe de données. En fait, je me suis aperçu que la plupart, on peut les lancer directement. Je fais même pas l'installation comme j'ai fait sur Warblade. Et grâce à Wine, ça va tourner. Alors pour moi, c'est la meilleure version. Donc ici, vous pouvez voir que ça tourne hyper bien. C'est très fluide. Donc ici, hop, je vais rajouter une petite route. Un petit quartier résidentiel. C'est parti.
Et vous voyez que ça tourne hyper bien. Voilà, donc je vais quitter. C'est pas la peine d'aller plus loin. Vous voyez que ça marche très bien. Autre exemple de jeu que je vais lancer directement, c'est ici Siberia de Benoît Sokal. Je peux le lancer très simplement comme ceci. Alors Siberia qui a été designé par Benoît Sokal, qui était un dessinateur de bande dessinée et qui est décédé en 2021. Il laisse trois superbes jeux, dont Siberia. Et je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc ce sont des jeux d'aventure et moi j'adore ce genre de jeu. Donc là je vais juste zapper cette phase d'introduction. Donc voilà, on dirige ce personnage. Et il y a plein de machines. Donc par exemple ici, je veux sonner. Ça marche pas. Non. Il me faudrait une clé. Il faut une clé. Donc je prends la clé. Ensuite, ici, je fais clic droit. Je prends la clé. Et hop. Et j'appuie. Donc pour ceux qui aiment les mécanismes, ils Voilà, vont on adorer ce arrive. genre de choses. Voilà, donc je quitte un petit Alt F4 et hop, je reviens à Linux. Toujours dans le lancement des exécutables, j'ai ici Blade Runner. Donc j'avais joué à ce jeu sous Windows. C'est un jeu DirectX avec les CD. C'est un jeu qui date de 1997. Donc là, si je lance l'exécutable, Wine n'arrive pas à le lancer, il se met dans une sorte de basse résolution. Donc pour arriver à le lancer, je vais utiliser Scum VM. Et dans Scum VM, on peut notamment lancer des jeux comme Day of the Tentacle, donc tous les LucasArts. Je fais démarrer. Et ici, j'ai tout de suite. Maintenant, vous vous dites, ouais, mais tout ça, c'est des petits jeux, les émulateurs, tout ça, mais est-ce qu'on peut jouer à des jeux vraiment récents? Et donc, je vais vous montrer Steam, qui a fait énormément pour Linux. Donc, je peux lancer directement un jeu Steam en lançant son raccourci. Donc, par exemple, Goat Simulator, un simulateur de chèvres. Voilà, donc il lance Steam dans la foulée. Alors, c'est parti. Voilà, je suis cette chèvre. Donc, le jeu est très simple. Il s'agit de dégommer tout ce qui passe. Donc, par exemple, voilà, je suis en approche avec ce brave type qui me regarde. Là, vous allez voir. Voilà, ça y est, j'ai déjà des points. Donc alors, qui c'est qu'on pourrait embêter encore? Tiens, regarde, il y a des manifestants là-bas. Ouais, pourquoi ils me regardent comme ça? Tiens, voilà. Tiens, regarde, voilà. Oh, alors, on peut voir que le moteur, c'est pas trop ça. Je crois que madame est coincée dans l'estrade. Ah, c'est bon. Voilà, c'est vraiment complètement bon ce jeu. On va emmerder les passants. Non, regardez. Voilà, madame, tranquille, elle marche. Paf! Eh ben voilà, ça mange pas de pain. C'est déjà ça. 60 points. Oh, une station-service. Ouais, je crois que j'ai un peu déconné. Non, je vais quitter ce jeu. Donc, quand tu cherches un jeu, tu peux ici dire, par exemple, je veux des jeux d'aventure. Voilà. Donc ici, il va faire un filtrage par jeu d'aventure. Mais vous voyez ici qu'il y a les petits symboles, donc Windows, macOS et Linux. Donc en fait, ce que je vais plutôt chercher,
c'est évidemment les jeux qui sont orientés Linux. Je vais aller dans catégorie SteamOS plus Linux. Je vais filtrer les jeux pour Linux. Et donc effectivement ici, je vais restreindre les jeux puisque il faut qu'ils aient absolument le symbole Linux. Tu as la garantie que le jeu va fonctionner correctement sous Linux. Alors, je vais vous montrer des exemples de jeux que j'ai achetés et qui fonctionnent sous Linux. Donc, par exemple, vous avez ici Life is Strange. Voilà, donc ça fonctionne vraiment nickel. Vous voyez que c'est totalement fou. Hurry, Courtney! Victoria is going to be pissed we took so long. Home sweet home, my favorite cocoon. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Un autre jeu totalement compatible Linux, c'est Firewatch. Donc vous avez ici, hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un jeu magnifique, hein, je trouve. Alors regardez la beauté des graphismes. Bon, je quitte le jeu. Voilà, donc ça c'est des jeux vraiment faits pour Linux. Allez, je vous en montre encore. Stardew Valley. Donc ici avec un petit côté rétro pixel. Donc ça, c'est un jeu qui se joue à la manette. Ça, c'est des jeux qui tournent naturellement pour Linux. Le truc, c'est que la plupart des bons jeux, ils ont été écrits que pour Windows, mais Steam a résolu le problème en utilisant Wine et Vulkan. Donc Wine, je vous ai montré un petit peu ce que c'était tout à l'heure, mais ils vont aussi utiliser Vulkan, qui est l'évolution de OpenGL, c'est-à-dire que tout ce qui est DirectX, ça va être redirigé vers Vulkan, et donc c'est l'API pour programmer les cartes graphiques. C'est une API open source, très puissante, et donc grâce à ça, Wine plus Vulkan et aussi le travail de Steam, eh ben, la plupart des jeux prévus pour Windows vont tourner parfaitement sous Linux. Donc quand je regarde Tormented Souls, vous voyez que ici, elle est exclusivement pour Windows. Vous voyez pas le symbole macOS, vous voyez pas le symbole Linux. Je l'ai déjà installé, elle est ici. A letter for me? I never receive letters. Donc là, j'utilise la manette de la Xbox. Donc, vous voyez que ça fonctionne très bien, c'est très fluide.
Donc voilà, je quitte. En voilà un autre que j'attendais depuis très longtemps, c'est Elite. C'est un jeu que j'avais acheté sous Windows, et quand je suis passé sous Linux, bon ben, il n'y avait pas moyen d'y jouer, donc j'étais un peu déçu. J'y ai joué depuis tout petit, j'avais joué notamment à Elite sur Amstrad, puis Frontier sur Amiga. Et donc c'est un jeu qui a une vraie histoire, en plus sachant que c'est toujours le même auteur qui dirige les opérations, donc David Braben. Ben, je suis très attaché à ce jeu et j'étais très déçu qu'il ne fonctionne pas sous Linux. Donc dans les forums, beaucoup de gens s'en plaignaient. Et c'est pas qu'ils ont fait grand chose pour le faire tourner sous Linux, c'est plutôt Steam qui a fait le travail. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé Proton, l'association de Wine et Vulkan, pour pouvoir faire tourner le jeu. Et vous allez voir qu'il tourne parfaitement. Alors regardez comment ça tourne, c'est vraiment extraordinaire. Ça tourne vraiment, vraiment bien. Donc voilà un jeu que j'attendais depuis très longtemps sous Linux et il fonctionne, c'est chose faite. Et alors maintenant je vais vous montrer un jeu un petit peu plus récent qui date de fin 2020. Il s'agit de Cyberpunk. Et alors justement c'est peut-être le meilleur moment pour installer Cyberpunk puisqu'il a été énormément critiqué pour ses bugs. Bah, je pense que la plupart des bugs sont maintenant corrigés. Vous voyez ici que c'est une version qui est prévue pour Windows et pourtant elle va tourner sous Linux sans problème. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va scripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. Ah, c'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Donc voilà pour Cyberpunk, ça tourne plutôt bien, ça prouve que on peut jouer sous des jeux sous Windows avec Linux. Je vais quitter Steam maintenant
Parmi les jeux qu'on peut installer pour Linux, il y a aussi la plateforme Good Old Games. Donc c'est des jeux anciens et aussi il y a des jeux récents et ils s'assurent de faire fonctionner ces jeux sous Linux via Wine. Mais aussi, ils vont utiliser des émulateurs comme ScumVM. Donc par exemple, si j'installe Blade Runner, ils vont l'utiliser avec ScumVM et aussi DOSBox. Donc en fait, on peut jouer à des très vieux jeux. Donc par exemple, j'ai installé deux vieux jeux ici pour quelques euros et je vais vous montrer ici Power Slave et qui fonctionne via DOSBox. Alors vous voyez ici qu'elle est pour système Linux. Une autre plateforme sympathique, c'est itch.io, c'est des jeux indépendants. Et donc souvent, ils fonctionnent sous Linux. Vous avez ici les symboles Windows, Linux, macOS. Bon, il y a beaucoup de jeux orientés web aussi qui fonctionnent avec un simple navigateur. Donc évidemment, ça va tourner sous Linux. Et je vais vous montrer, par exemple, une bande dessinée interactive. Alors, je vais l'acheter. Donc ici, ça s'appelle Steel Heroes. Et vous voyez qu'elle fonctionne notamment pour Linux. Vous avez ici le petit symbole Linux, le pingouin. Et donc une fois que je l'ai payé, ben, j'ai plus qu'à je vais dans mon dossier téléchargement et pour y jouer, ben, il suffit que je lance ici la version 64 bits. C'est parti. Bon voilà, j'arrête là. On peut jouer sur Linux et vous voyez qu'on peut jouer à énormément de jeux. Le mieux, c'est Steam qui fait un travail extraordinaire puisqu'ils arrivent à lancer des gros jeux alors qu'à la base, ils sont prévus pour Windows et ça, c'est grâce à Proton. Ça marche pas toujours à 100%. Cette vidéo est là pour dire qu'on peut faire tourner beaucoup de jeux, beaucoup. Si, comme moi, vous aimez un peu les jeux et que vous voulez passer sous Linux, il n'y a aucun problème. Il y aura peut-être d'autres problèmes si vous êtes un amoureux des jeux vidéo et qu'il y a quelques jeux qui ne fonctionnent pas et ça va vous déranger. Et donc à la question, peut-on jouer sous Linux? Je vais vous répondre très simplement, oui.